Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cartomancie Gisèle. Donc, je vais commencer à tirer les cartes pour la semaine qui vient du 12 au 16 avril 2020. Et je vais voir avec les portes de l'intuition. Ça commence bien. L'énergie principale de ce que ça va nous dire. Je vais vous montrer le jeu que j'utilise. C'est celui-là. C'est le tarot de Stumpuck. J'aime bien en ce moment, j'utilise. Donc c'est celui-ci. Il est original. Je vous expliquerai après au fur et à mesure. Alors, quelles sont les énergies pour ce lundi 12 avril? Et c'est jusqu'au 16 avril. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Je voulais tous vous remercier parce que nous avons atteint les 10 000 abonnés. Donc, je vais faire un tirage au sort pour tous ceux qui veulent participer. Mettez un oui pour le tirage au sort et alors je verrai. J'essaierai avec ma famille d'être la plus impartiale possible, d'écrire vos noms sur un petit papier et je tirerai au sort et je ferai une consultation privée. Je ne sais pas encore comment parce que moi je suis en Belgique et vous êtes en France. La plus grosse partie de mes abonnés sont en France et dans les autres pays. Donc je trouverai un système pour faire le tirage pour vous et pour la personne qui aura gagné. Voilà, vous aurez le droit de me poser au maximum 5 questions et je répondrai aux 5 questions. Voilà, ça, petit aparté. Ok, donc je viens d'effectuer ici parce qu'il y a 5 cartes et donc j'ai recouvert les 5 cartes avec le tarot de Stumpuck. Et avec les portes de l'intuition, en deux decks, nous avons le témoignage de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, remerciez et remerciez la famille. Ok. Alors, ici, nous avons fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ensuite, le gros plan. Je vais plutôt les mettre comme ça. Hein. Parce que là, c'est les énergies, mais il y en a eu 5. Donc, on verra peut-être pour chaque jour de la semaine. Comme ça sera bien. On a 5 jours et on a 5 cartes. Alors, pour lundi, nous avons la carte de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et vous avez la carte du navigateur des engins. Voilà l'originalité de ce jeu, j'adore. Alors, les engins sont équivaux au bâton. Alors ici, nous avons le cavalier de bâton. Et lui, il nous apporte, lui, il est synonyme de justice, d'équité et professe de grandes idées généreuses. Et ici, on vous dit qu'en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes. Alors cette personne, elle sera généreuse et elle a des grandes idées. Elle amène des solutions inattendues, des changements d'attitude, des voyages, des déplacements, des imprévus et il est impulsif. Alors pour ce lundi, faites attention à l'impulsivité et on vous dit que dans les situations difficiles, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Donc, vous avez deux cartes qui vous le disent. Et avec le cavalier, c'est pareil. Il vous apporte des nouvelles ou une nouvelle personne avec des bonnes idées et prête à vous aider. Alors, pour mardi, nous avons la carte le grand plan. Oh, ben, c'est génial. Les cartes, elles se sont placées toutes seules. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux le tirage comme ça. Alors, elle nous parle, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et là, nous avons la carte de l'as de Léviathan. Les Léviathans sont, c'est des deniers. Donc, alors, avec l'as, on nous parle de conception, de démarrage.
de lancement de quelque chose et on nous parle aussi de respect des valeurs essentielles. Alors, voyons voir après pour mercredi. Mercredi, on nous parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, mercredi, c'est en plus le verre. La gratitude, l'abondance. Et nous avons l'inventeur. L'inventeur est égal à l'ermite. Et l'ermite nous parle d'information, de retrait. De quoi d'autre? De repli sur soi, d'introspection. Alors, nous allons voir pour jeudi. Après, je ferai une synthèse de tout. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et on a ici l'ermite en introspection. Et nous avons la carte de l'horloge. L'horloge qui est au pape. Oui, le 5, c'est le pape. Donc voilà, je vous la montre parce qu'il est spécial. Donc il faut savoir quoi se rapporte à quoi. Alors il représente le pape, qui lui, le pape, eh ben, c'est une personne sage, il sait beaucoup de choses, il a de l'expérience. Et on a déjà deux arcanes majeurs. Allez, on va voir le vendredi. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et on a encore une arcane majeure et c'est la tour de bronze qui représente la justice. Vous voyez, elle a les mains ouvertes pour comme la balance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les trois arcanes majeures nous parlent de période de remise en question, mais brutale. On nous parle de licenciement ou d'un divorce. Avec l'ermite, ici, l'ermite, on nous parle plutôt de après, vu qu'on a le pape. Le pape, c'est les signatures de contrat. Et l'ermite, lui, il prend des renseignements, il étudie les. Ben, on nous dit qu'après de nombreux efforts, le contrat ou l'accord est signé. Moi, je dirais que vous sortez, enfin, pour ceux qui vont sortir d'une situation de licenciement ou de divorce, ben après cette période difficile, y a, tout se remet en route, au fait. Ici, ça me le dit au contraire. Mais voilà, il y a signature de contrat et enfin d'accord trouvé. Maintenant, s'il s'agit de vouloir quitter absolument son travail, ça va se faire. Si vous voulez changer de travail, là, il va y avoir la signature d'un contrat et le licenciement de l'autre. Et aussi, on nous parle de renouveau, de démarrage, et avec le cavalier, de justice et d'équité. Voilà pour le financier. Maintenant, nous allons voir pour le sentimental. Et on reprend l'oracle des miroirs, parce que c'est le seul qui me parle vraiment de sentiments. Enfin, il parle bien. Alors, voyons voir sur le plan sentimental pour cette semaine du 12 au 16. Du 12 au 16 avril 2021. Hop là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, hein, on va les regarder. Et si on a de nouveau la justice qui ressort? Nous avons la projection dans le futur boulot où là on a la fatalité à cause de la jalousie. On a le retour d'une personne. On vous demande d'y voir clair dans une situation de communication verbale et non verbale apparemment puisque ça c'est par ordinateur, c'est les emails. On nous parle de rêve, de santé et on a une ouverture sur un nouveau contrat, un nouveau compromis, un accord. Voilà, bon, allez, on va les remettre. Ça voulait certainement nous donner la confirmation
sur le plan professionnel qu'un nouveau un contrat se termine et un nouveau arrive. Et vous allez rencontrer les bonnes personnes et les personnes justes et équitables pour vous aider dans cette transition. Alors, on va faire la même chose. Hop là. Eh bien, ici, on va faire comme ça. Oh, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on en a une, deux et trois. Bon, tant pis. En deux decks, nous avons les déplacements. Bon, ça, on nous l'a annoncé déjà avec le cavalier qu'il allait amener des solutions, mais des changements d'attitude et des voyages ou des déplacements imprévus. Donc, confirmation. Là, il s'agit de la consultante ou du consultant, mettez-le à votre sauce. Et on nous parle de déplacement pour une relation basée sur le sexe. Une relation chanceuse. Mais bon, voilà. Pardon, désolé, je perds ma voix et j'éternue. Alors, voyons voir pour lundi. Lundi, on nous parle de papotage, de réunions, mais de réunions dans lesquelles on parle sur les autres. On nous parle d'accusations aussi. Mercredi, contrat. Voilà, l'abondance et le contrat qui est enfin signé. Jeudi, on nous parle d'amitié. Ici, on nous parle de personnes qui portent des accusations et de contrats d'amitié. C'est sur le rapport de l'amitié. Ici, nous avons la joie. Félicitations, peut-être pour les gens qui aiment foutre le bordel dans la vie des autres. Ils sont fiers d'eux, là, parce qu'ils pensent qu'ils ont réussi. Et ça, c'est le premier jour, lundi. Ensuite, vous allez faire face à des accusations ou peut-être entendre parler d'accusations. Ici, nous avons le commencement d'accusation. Commencement. Vous allez commencer à entendre qu'on parle peut-être ou qu'on vous accuse de quelque chose ou que vous allez entendre qu'on accuse quelqu'un d'autre. Mais bon, ici, on nous parle d'amitié, donc des vrais amis. Ce que vous attirez à vous pour vendredi, c'est la joie, la protection. Et vous avez l'étranger. L'étranger peut être la personne qui vient d'une autre zone d'habitation que la vôtre. Et ici, on nous parle d'aide. Vous aurez l'aide d'étrangers ou des personnes extérieures à cette situation. Eh bien, c'est pas terrible, hein? Allez, ok, on va peut-être prendre le petit femme actuel. J'en ai deux. Nous allons voir avec les femmes actuelles si on peut venir compléter ce tirage pour cette semaine. En fin de semaine, début de semaine qui commence avec des commérages, on va dire. Ensuite, mardi, on va peut-être vous porter des accusations. Mercredi, vous signez un contrat. Jeudi, on vous parle d'amitié. Et vendredi, vous attirez à vous la joie, la protection et l'aide d'étrangers. Ici, on nous parle d'imprévu et ça tombe sur le début de la semaine. Quoi d'autre pour cette semaine du 12 au 16 avril 2021? Hop là, on nous parle d'opportunités pour le travail. Puisque là, mercredi, vous avez quand même la signature de contrat. Vous avez plusieurs cartes qui vous le confirment. Alors, imprévu, opportunité pour le début de semaine. Nous avons la carte. Ah ben, on en a trois. Ok. On a la carte de la vitalité pour mercredi. Jeudi, vous perdez un peu la boussole. Et vendredi, c'est l'âme. Une introspection de l'âme. Je voudrais en savoir plus. Alors, faites attention à jeudi concernant vos amis. Il y a des accords à trouver. Et on nous parle d'amitié. Et là, voilà, début de week-end, le rayonnement, ça porte le chiffre 19. Le 19, c'est le soleil dans le tarot de Marseille. Voilà, donc la semaine commence
plus ou moins ennuyante, mais on vous annonce tout de suite pour mardi des opportunités, mercredi vitalité, jeudi un peu confus et vendredi magnifique. Voilà, amis de ma chaîne, merci de vous être abonnés, merci à tous ceux qui sont arrivés après. N'oubliez pas de mettre un petit com que vous êtes d'accord de participer. Ah ben, marquez je participe et alors je marquerai vos noms sur un petit papier et je ferai tirer à des membres de ma famille pour avoir un tirage personnel gratuit. À bientôt!